N-I-N-W-L-O-U, c'est ainsi que je m'annonce. C'est néolou je suis, néolou je porte. Chaque fois que la vie m'en dresse l'occasion, je le réitère. Chez nous, on avale la braise pour purifier la parole. Moi, je ne fais pas de phrases, je couds des mots. Fils des légendes, néolou je suis, néolou je porte. Les Zongbaïs, je porte le soleil. Zien, mon zien. Ma parole est lumière qui clairsème, ma parole est feu qui consume. Elle parcourt les cœurs et les consciences avec la lumière pour ombre. Face au soleil levant, j'ai craché des paroles d'honneur, des paroles de dignité, des paroles de chair, de sang, de cendre, des paroles de lumière, de joie, de peine. Face au soleil levant, j'ai parlé. Face au soleil levant, je vais parler. Zien, mon zien. Des paroles fortes, des mots qui véhiculent la sagesse, des vers transportant l'émotion et même la sensation. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de C'est-à-dire, pour lequel nous recevons Néolou, une figure emblématique du slam en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Niakba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le slam, vous le vivez. Vous le faites ressentir depuis des années aux différents publics que vous côtoyez. D'accord. Pour vous, que représente ce style de musique dans notre différente société aujourd'hui? Le slam existe. Le slam veut exister dans ce milieu très bouillonnant de tout ce qui est culture, de musique, de style de musique en Côte d'Ivoire. On veut exister, on fait notre petit bonhomme de chemin. Progressivement, on organise des événements, on ressent notre impact parce qu'on est associé à de plus en plus d'événements. On a désormais des catégories dans des concours de distinction de musique, de culture. Et ça, c'est pas plus mal. Ouais. Super. En 2010, pendant la crise post-électorale, vous écrivez des vers. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain et poète. C'est ça. Donc, à ce moment-là de votre carrière, pourquoi prendre de telles initiatives? Est-ce à dire que le slam est un remède pour apaiser les tensions, par exemple? L'artiste doit faire sa part. Et il faut que j'insiste là-dessus. Nous, moi, personnellement, quand la crise éclate, je me dis, ah, peut-être que j'ai là un moyen de dire ce que je ressens. Peut-être que ça ne va pas être entendu plus loin, mais il y en a quand même que ça peut apaiser. Il y en a que ça peut révolter, c'est ce que je veux. Il y en a que dont ça peut traduire la pensée, les douleurs, les plaies. Tant qu'on peut, on écrit, on fait notre part. Et puis, on est à l'image de l'oiseau, je ne sais plus dans quel peuple, là, qui face à l'incendie, venait et laissait des gouttes d'eau, espérant que ces gouttes d'eau-là puissent éteindre le feu. Mais quand le feu a ravagé, cet oiseau a été vénéré et vénéré encore aujourd'hui par ce peuple, parce qu'il a essayé de faire sa part. C'est ainsi que moi je me vois. Et puis, si heureusement on a pu à plusieurs prendre des bassines et venir éteindre tout le feu, ce serait tant mieux, mais on fait comme on peut. On peut donc dire que le slam, c'est l'une de ses valeurs de ce style de musique, apporter aussi la paix dans une société qui est en conflit ou qui brûle. C'est pas dans tous les pays que ça brûle. Oui, évidemment, nous sommes témoins dans un contexte. Oui, nous sommes témoins de notre temps. Les slammers ne sont pas en dehors du temps. Hein. Oui. Nous sommes témoins de notre temps comme tous les artistes. Mmh. Et puis, des artistes décident pour eux de ne faire que le divertissement. C'est aussi ça de l'art. Mais nous, on s'est dit, et parmi nous, il y en a qui font comme ça, qui se laissent aller dans des trucs qui, divertissement, etc. Mais parmi nous, il y en a qui se disent, ok, c'est vrai qu'après de tout ce qui est divertissement, il faudrait qu'on porte la voix de ceux qui ne peuvent pas, qu'on donne des messages, qu'on parle et qu'on élève la voix sans trahir notre combat. Le slam, souvent, on l'a confondu avec le rap. Qu'est-ce qui fait la petite différence? Il y a le slam et le rap. Oui. Mais comme j'ai dit, c'est la même matière première. D'accord. Rap, c'est rhythm and poetry. Okay. Slam, notre matière première, c'est aussi de la poésie. Donc on a la même matière première. Mmh. Mais au-delà, ce qui est facilement perceptible aussi, c'est que tout art s'accompagne de manière de penser, manière d'être. Il y a un lifestyle, il y a une manière de penser. Et cette manière de penser-là, ça fait un peu toute la différence. Exemple, le rappeur, pour lui, les clashs font partie intégrante de tout ce qui est rap, etc. Pour nous, c'est peut-être des duels, on peut y avoir des confrontations.
confrontation et tout, mais il y a un autre esprit qui encadre et ça, c'est très, très important. Au-delà, il y a des rappeurs qui peuvent aller un peu plus lentement parce que le texte est exceptionnel. On penserait que c'est du slam, mais quand Soumbil fait du reggae, par exemple, Soumbil ne devient pas pour autant un reggaeman. Donc, ça arrive des slameurs qui font du rap, des rappeurs qui font du slam. Nous sommes cousins, la frontière est là, là, là. Mais vous avez aussi la même matière première qui c'est est cela, la en tout cas la poésie. On l'a vu récemment, Néolou, vous avez remporté plusieurs prix, notamment le prix Mutz, voilà, à l'occasion de la 8e édition du festival de la musique, du festival pardon, international de la musique urbaine et coupée décalée, prix Mutz, qui s'est déroulé du 19 au 20 novembre 2023. Vous avez été primé, on vous a reconnu. Félicitations à vous. Merci. Pour vous, c'est quoi le bon slam ou le bon slam? Moi, je fais du slam. Hein. Pour moi, le bon slameur, je ne sais pas. Je peux déceler des choses. C'est l'originalité, d'accord, l'authenticité, la profondeur, c'est la curiosité. Et puis, voilà, quelques parties, quelques valeurs comme ça qui peuvent ressortir de ça. Mais qui est le bon slameur? Celui qui sait mêler toutes ces choses-là. Donc, quand je parle d'authenticité, c'est ça. Il ne faudrait pas faire comme. Il faudrait être curieux aussi, aller chercher, trouver les choses. Il faudrait trouver le moyen d'être assez profond, de ne pas rester là en surface. Quoique, certaines personnes écrivent bien, mais ne peuvent pas bien rendre. Oui. Et ça, ça va être compliqué quand on est dans le slam, qui aussi, en plus de la voix, est un art de la présence. Donc, il y a tout ça, la performance, il y a tout ça. On peut donc dire que tout le monde ne peut pas être slameur. Tout le monde ne peut pas être journaliste, M. Yakba. Oui, tout le monde ne peut pas. C'est comme forme de slameur. On n'est pas hors du temps, dans le temps. D'accord. Tout le monde ne peut pas être réalisateur. Tout le monde, voilà, pourquoi tout le monde peut être slameur? Il y a des prédispositions. On a l'impression quand même que c'est quand même simple. On parle calmement. Tout le monde peut dire un test calmement. Donc, même le journaliste, on a l'impression que c'est là, parler de façon très méthodique, poser des questions. Ce n'est pas que ça. Oui. Il y a beaucoup de travail derrière. D'accord. C'est comme ça que pour le SAM, il y a beaucoup de travail derrière. Celui qui n'a pas de prédisposition, celui qui n'est pas destiné à cela, ne le sera pas. On peut commencer à écrire des choses, dire bien, et puis on se dit qu'intérieurement, on est appelé à faire autre chose. On y va, on ne peut pas être slameur. Donc, tout le monde ne peut pas être slameur. Il y a des prédispositions. Tant que vous les sentez, allez-y. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas le droit. Tout le monde a le droit. Mais tout le monde ne pourra pas être slameur. C'est bien clair. En Côte d'Ivoire, on écoute le coupé décalé. On a le zouglou. On a le rap dans le temps. Stézo, Almighty. Aujourd'hui, le slam, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens consomment le slam? Est-ce que c'est une musique aujourd'hui qui rentre dans les habitudes? Vous le demandez parce qu'il y a beaucoup de styles en Côte d'Ivoire où... C'est pas, c'est vrai que c'est vous qui posez la question, mais je veux juste savoir. Allez-y, vous pouvez, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Vous le demandez. C'est votre style, les slameurs. Okay, vous le demandez parce qu'il y a beaucoup de styles en Côte d'Ivoire ou parce que vous voyez de moins en moins de consommateurs? Ah bon, mais je sais pas, peut-être. Parce que ça dépend de vos publics. Ça dépend de ce que vous rencontrez, ce que vous voyez, oui. Oui, dans tous les peuples, oui. Ou du moins dans tous les pays. En France, il y a des styles à ne point finir. Oui. Aujourd'hui, on parle de Charles Aznavour, toujours, jusqu'aujourd'hui. Il y a qui vous voulez, il y a Matt James, il y a Aya Nakamura, il y a Kinve, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a Grand Corps Malade qui résiste, qui est là, pas résister, il est là, il vit bien, il a des dates, etc. Donc le slam ne vient pas pour dire non, quand on vient là, il faut que tout le monde puisse aller. Nous, on a notre public, on travaille pas seulement pour notre public, on travaille pour que davantage de personnes, en nous écoutant, en découvrant ce qu'on fait, se disent ah, il y a peut-être quelque chose. On ne veut pas attirer les gens seulement par compassion, par les gens qui veulent fuir, qui se disent « Ah, non, mais ceux-là, ils ne sont pas assez soutenus, on ne vient non pas que ça. » On a peut-être besoin d'appui, mais on n'a pas besoin que d'appui. On a besoin, nous aussi, de séduire des gens et d'attirer des gens dans nos événements, d'attirer des gens à consommer notre musique, à consommer tout ce qu'on fait. Au slam, un public. En 2018, déjà, nous faisions la 600 places du Palais de la Culture. D'accord. Après, nous avons fait 800, après, nous avons fait 900 places. À un moment, ça a été un peu compliqué, et puis voilà. Récemment, on a eu l'écriture, on a vu ce qui s'est passé. Donc, le slam a son public. Ce qu'on fait maintenant, c'est de travailler pour qu'on ait un peu plus de public. Et c'est ce que le Zouglou fait d'ailleurs, c'est ce que le rap ivoire fait, c'est ce que tous les styles de musique font à Abidjan ici. Chercher à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le monde, chercher à avoir de plus en plus de personnes qui aiment. On peut donc imaginer clairement que
une personne qui se dit professionnelle du slam peut vivre carrément du slam. On peut déjà l'imaginer. On n'est pas à ce niveau. Il y en a qui vivent uniquement de ça. Ça arrive. En Côte d'Ivoire, il y en a. J'en connais, je ne vais pas citer leur nom. Parce que leurs parents vont peut-être regarder ici. Mais ça peut arriver. Mm. Seulement que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas donné. Il y a il y a plein d'artistes qui ne vivent pas de leur art. Donc, oui, évidemment. Sinon, on peut. Ça veut dire qu'on peut vivre du slam. Du slam, on peut vivre d'ateliers, d'écriture, parce que nous, on est dans. Nous sommes au carrefour de plusieurs arts, en fait. Mm. Donc, il y a des slameurs écrivains. Moi, j'ai écrit un livre. Je fais des spectacles. Je joue à des événements, etc. Donc, s'il y a. Je veux dire, si tout ça est bien huilé, tranquillement, on peut en vivre. Je pense que peut-être que pour moi, ça va arriver. Évidemment, tous les genres musicaux doivent exister dans un pays comme le nôtre. Oui. Et tout le monde doit avoir sa place. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est organisation, disposition, vous laisse suffisamment de place pour vous exprimer? Aujourd'hui, il y a suffisamment de place pour le slam en Côte d'Ivoire. Oui, je le dis parce que les plus grands événements aujourd'hui le font. N'empêche qu'il y a d'autres efforts à faire. Donc, ce qui est là, c'est suffisant. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Je pense que c'est suffisant pour quelqu'un qui, il y a 10 ans, donc on voit que le corps des poètes a 10 ans aujourd'hui, mais il y a 10 ans, on n'imaginait même pas jouer devant le président de la République. Il y en a qui ont joué, on n'imaginait pas, on n'osait même pas penser. Parce qu'on se disait, oui, quand on était à la télé, on voyait l'immense... Je parle pas de slam en tant que tel, mais le fait de venir parler. De venir parler, porter la parole devant. Je n'ai pas dit qu'il est slameur. Il fait bien ce qu'il fait. Et il a vraiment inspiré toute une génération. Je ne le cache pas, mais je vais dire parler devant des personnalités et tout. Nous, on se disait qu'en tant que slameur, est-ce qu'on allait y arriver? Mais aujourd'hui, quand on ne compte plus le nombre de fois où des slameurs ont joué devant des autorités ou devant des ministres, on place les slameurs à l'ouverture. C'est dire. Donc voilà, progressivement, les choses commencent à évoluer. Notre émission tire vers sa fin. Déjà. Quelle est votre actualité? Il y a longtemps on parlait. Je prévois un spectacle en août, si tout se passe bien. Donc, c'est vous qui avez l'information pour la première fois. Merci. Si tout se passe bien, et puis voilà, je vais boucler aussi mon album avant août. Je l'annonce partout depuis des années. Mais j'espère que cette année, on va terminer. Le slam, ce sont les paroles qui restent. On vous écoute pour la dernière fois. Ah, vous m'écoutez? Ok. Assis à l'ombre de ses gloires passées, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. À ses pieds, une flèche rouillée, paumes et peaux flétries par les âges, il m'a dit. Les murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabres finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Qu'importe le sang du défunt, le thématé ne se dansera pas au cimetière. C'est un 13 novembre que tout a commencé, quelque part où le soleil est insomniaque. Entre caresses d'une mère et coups de la vie, l'enfant tissait patiemment sa toile. Sa mère avec rien le comblait de tout, dernier de ses fils, normal que dans son cœur, ce soit lui le premier. 17 mars 2003, ce jour-là, tout allait encore basculer. Maman avait perdu le sourire, la paume et la mine fermée, car papa n'était plus. Très tôt, l'enfant perdit sa frimousse d'ange. Enfance boiteuse, adolescence estropiée, tel un texte de slam. À son mental de résistance, sa mère disait, « Fils, lève la tête et vois cette lune que tu vois partir si lentement, finira par traverser le village. » Merci beaucoup, Néoulou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Elle était consacrée au slam avec notre invité Néoulou. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.